Alors bonjour à tous, c'est Gotors en direct de la map de Wartik avec mon ami Santox qui parle de ses toilettes à l'heure actuelle. Bonjour, bonjour à tout le monde. Et donc là je teste un nouveau Minecraft conseillé par mon ami Wartik. Dis bonjour Wartik. Salut, salut. T'en dirais Ned Flanders. Salut, salut. Salut, petit salut. Déjà... Ah putain, je me fais déjà attaquer par un squeletton. Y'a personne pour m'aider, non? Non, par contre, une gestion, peut-on me mettre à côté de vous, s'il vous plaît? Non, tu crèves. Ouais. Alors moi, je cours avec un squelette au cul. C'est marrant, hein. Ah, j'ai cru voir quelqu'un déguisé en creeper. C'est moi. Ah. Attends, je vais couper la musique, là. On est sur le sommet le plus haut, vers là où on a spawn. C'est toi le sommet le plus haut? Ouais, tout à fait. D'ailleurs, on me voit. Je suis le roi du monde. Attendez, ouais. attendez. On va plutôt faire un abri de fortune avant de... Donc nous sommes actuellement en train de tester une aventure totalement épique sur le nouveau serveur de Wartik, le serveur Spootcraft. Forcément, on est en zone de spawn. On peut rien poser. On va plutôt aller de ton côté, t'as raison. Et moi, je squatte en haut d'un arbre parce que je trouve ça fort charmant. Vous êtes retourné sur Minecraft là, les gens? Ouais. Et vous êtes sur quel serve? Le Wartik. C'est qui parle? Ou avec Minecraft? Tu peux y aller via Spoot si tu veux une qualité graphique un peu plus intéressante. C'est qui cause? Père Noël. Ah, c'est Fro. Ah, Fro, super. Alors, Fro est un ami qui vient de nous rejoindre et tu feras le mec paumé dans l'aventure, c'est bien ça. Quand les gens vont regarder la vidéo sur YouTube, ils vont dire « Oh là là, mais c'est qui cet homme complètement paumé ?» C'est un mec qui a des pommes, en fait. Tu veux pas plutôt dire c'est qui ce pèlerin? Putain, j'ai déjà fait une table de craft. Ah lui, je peux te tuer. Fais que tu veux. Puis-je t'assassiner? Bon, passons aux choses sérieuses. Eh mais, viens. Tiens, une hache. Oh cool, une hache. Ah salaud, il m'a piqué ma hache. Bah, tu peux te connecter dessus sans difficulté. Frosties. On voit de l'autre côté de la montagne. Frosties de Kellogg's. Et le trigger à trottoir. D'accord, les touches sont pas configurées ou... Non. Ah cool, c'est la deuxième fois que j'ai l'achievement Getting Wood. C'est bon ça. Cool, tête. Bougez pas le bout de poil au-dessus de ta tête, toi. Je suis en train de couper au-dessus. Timon et Pumba. Mette-le lui. Comment je t'ai mis une droite. Oh, je suis odieux. File, vilain. Manin. Vous ne passerez pas. Eh, ça ressemble à un siège géant. Regarde. C'est énorme. T'as vu ça? Regarde. Attends. C'est un trône, on est d'accord? Oui. Ouais, bah, faut bien l'évacuation, hein. Hop, voilà. Ah, on peut aller faire caca. Regarde. Et voilà, les mecs, regarde. Même d'installer un toit, ils installent les chiottes. Yep. Bah, bravo. Bravo. Alors, première chose à construire quand tu commences une map Minecraft, c'est les toilettes. Ah ouais, c'est vachement important pour la survie, ça. Ah non, mais c'est primordial. Primordial. Ah ouais, c'est mon pote. On a vu des mecs qui sont morts à force de se retenir. Hein. Tout à fait. Bon, bah, vous savez quoi? Moi, je vais, comme on dit chez nous, au charbon. Moi, je vais plutôt commencer à nous faire un petit toit. Au-dessus de la tête, parce que... Toi, mon toit. Si on reste à poil ici, on va pas durer longtemps. Quoi? Vous avez des versions craquées ou vous avez payé le jeu? Ah, on a payé le jeu. Moi, je ne suis pas un voleur. On a tous payé le jeu, là. Ah, 15 euros pour des carrés. Ouais. Autant chez Lego, quoi. Mais tu n'as pas compris. Il y a des feuilles, quand même. Hein, faut... Voilà. Voler, c'est le mal. Non, mais un jeu comme ça, voilà, c'est un... C'est un passionné qui l'a fait, donc moi je l'ai acheté. C'est un investissement, concrètement. Hein. Mais moi, quand je l'ai acheté, c'était un alpha. Donc moi, je l'ai eu à 3 euros. C'est pas vrai. Mais si. Eh les gars, j'ai une super planque de la mort qui tue là où je suis. Bon, par contre, j'ai du bois, mais pas de la même couleur. C'est qui l'arlequin? Ah, c'est Fro. C'est bon, les arlequins. Ah, les gars. Bah on est en train de se faire une baraque là. De t'es ouf toi, j'ai une cabane mon gars, quand tu vas voir ma cabane tu vas dire oh putain on peut faire un multiplex. C'est un multiplex complètement. Multiplex le sphinx. Oula.
Ouais, vilain. Le mec qui vient de Lorraine, multiplex le Sphinx, direct. Il parle de quoi? Il parle de charme. Quoi, t'as un problème? T'as un problème avec Nancy? Hein? Bon, les gens, si vous voulez venir à Nancy, bah appelez-moi. C'est le petit coup de pub, c'est gratuit. La fête, je suis en recherche de... Ouais, on dira pas. S'il y a une femme qui recherche un petit plan... Les gars, je me fais attaquer, je me fais violemment attaquer. Non, c'est bon. Non, je rigole. Mais... Heureusement que je suis un pro-gamer, franchement, parce que... LOL. Aïe. Je suis tombé d'une haute. Oh putain, un creeper. Oh putain. Ah ouch. Me voilà. Avec des... Oh putain, il me faut à bouffer. On va tous ensemble. Je crois que j'ai le creeper qui croit que je suis sa mère ou je sais pas qui. Ah, il veut te faire un câlin. Oh putain, il fait nuit. Sans blague, pourquoi tu crois que je crée un abri depuis tout à l'heure? Ce qui est bien, c'est... Ah putain, le super abri de fortune, quoi. De 10 bois différents. Bon, je veux pas dire, mais l'architecte est un peu cogneux, quand même. Il est un peu cogneux, va te prendre. Eh, c'est qui me tape? J'ai plus de vie, les mecs, arrêtez là. Ça s'appelle un squelette. Il va nous tuer. À la foutre, je mourrai pour vous, mes amis. Ah bah non. Ça, je suis le cochon, moi. J'ai besoin de bouffe. Viens là. Voilà, donne-moi ton steak. Eh, hey, enfoiré. N'empêche que c'est grâce à moi, parce que sinon, eh ben, tu l'aurais pas eu. Genre. Ah ah. Et la lumière fute. Fute. À qui? Panoramix. Me remerciez pas. Non. T'inquiète pas, on n'y manquera pas. T'inquiète. J'y penserai un jour. J'y penserai un jour. Aïe! Oh putain, je vais mourir. Non, mais sérieusement, je vais mourir. Ouais, moi aussi, il faut de la bouffe là. Je suis mort. Renaître. Squeletton! Loue ton stuff, que j'aille te chercher ton stuff. Non, j'arrive. Y'a un Creepers! Y'a un Creepers dans la maison! Au secours! Au secours! Non! Fous-le dehors! Putain! Il a pété. Ah non! Il vient d'exploser la baraque là! Ah, je me sens nu. Mets la journée. C'est quoi faire? Ah, parce que là, j'arrête pas de mourir. Ça me pompe l'air. Ça me pompe l'air. Je suis en train de niquer. Je suis en train de lancer un œuf. L'araignée. What? Eh, hey, j'ai un bug là. Quand j'enlève un espèce de morceau de terre pour grimper, aïe. Aïe, cela fait, me fait. Elle va pas mourir, l'araignée de merde. Crève. Crève et meurt à la fois. Et là, tu fais moi la maline, hein, quand t'es par terre. Hein. Putain. Polio. Donc, là, pour l'instant, le départ qu'on vient de faire, tu sais à quoi ça me fait penser? À des mecs qui n'ont jamais joué à Minecraft. Presque. Eh, hey, t'as vu un peu tout ce que tu m'as pris là? T'as vu? Ah non, allez. Quartic, t'as repris mes morceaux de charbon? La musique est horrible. Bah, les morceaux de charbon, en fait, je voulais en faire moitié. Comment ça s'appelle? Oh, c'est trop cool, une table de craft en l'air. Franchement, tu veux pas faire un truc un peu moins épique? Mais c'est à dire. Eh, les mecs, couper les arbres autour de la baraque. Déjà, on va faire de la belle déco, regarde. Merde. Non, mais ce qui fait chier, c'est qu'on est un peu sur des montagnes de merde. Bah, on est sur une belle montagne, au contraire. On domine. Regarde, Wartik. Regarde, franchement, la déco, regarde l'angle. Ça fait pas plus beau comme ça, quand même. Ils sont très beaux comme ça, mais. On va vite tomber à court de bois à ce rythme-là. Mais non, attends, on les a tous fait repousser, les arbres. Je peux t'envoyer une map et tu la mets, qui est trop bien. Non, mais c'est pas la map de ma citadelle, celle-là. Hein. C'est clairement une map. Ah, un creeper! C'est la migration. Hein. Je vais péter! Bah! Vaf! Psh, boum! Oh, putain, mais comment elle est épique, cette maison, franchement. Non, mais sans déconner, j'ai une map qui est mieux que celle-là. T'as des volcans, tout, t'as des îles, c'est trop stylé. Ça vous dit pas? Non?
Comment ça, une map qui a des volcans et tout, c'est trop stylé. Là, c'est marrant, on commence à partir de rien et puis on va monter. Ouais, tu vois, c'est ça qui montre le courage et l'abnégation des gens. Oui, non mais. Et le fait d'être capable de survivre et pas de jouer comme des merdes avec le game mode, n'est-ce pas? Par exemple. Mais non, c'est pas... mais c'est un game mode. Nous prenons le nom Kikoulol. Ou le nom Trololo. Ou le nom Kevin. Quoi? T'appelles Jean Kevin? Don't War. Il y en a un qui est avec nous qu'on n'entend pas trop là, c'est Fro. Frolic. Moi je suis dans ma petite maison. Moi. Bah moi je suis en train. Je la fais plus dans ma maison. Moi je fais une maison épique aussi. Parce que j'ai décidé que. Donc voilà. L'architecture. C'est important pour la santé et l'architecture, vois-tu? Ah, si seulement j'avais une hache. Si seulement je serais président. De la République. Tiens. Moi, président de la République. Moi, je ferai. De la République. J'autoriserai WarZ. À l'école. Moi, président de la République, je dirais oui au téléchargement illégal. Moi, je dirais il lui manque plus qu'un petit. Ta gueule. Comment? Juste un petit. Ta gueule. Ta gueule. Ouais, voilà. Replantons les arbres. Sauvons détruits. T'as un écolo qui mérite ça. La gueule. Libère le périmètre de la baraque si tu veux pas qu'on se fasse éclater par les creepers à longueur de temps. T'as dit quoi? Il faut libérer le périmètre de la maison. Faut qu'on mette des murs, tout à fait. Oui. Franchement, on est en train de faire un truc totalement épique là. Ouais, une jolie petite tour. J'ai ce mot là qui revient tout le temps parce que c'est vrai que. Je suis subjugué par cette qualité folklorique. Architecturale, eh oui. C'est ça. Ça ressemble plus à l'architecture d'une église qu'autre chose. Je sais pas quoi ça ressemble, mais franchement, quand les viewers ils vont voir ça. Ouais, ils vont avoir peur. Ils vont se demander comment ils ont fait ça. D'ailleurs, je pense que cette vidéo se fera en la la la. Ouais, sans image, ah oui. en plusieurs tipards, tu vois. Je pense qu'on va faire un truc en plusieurs parties, ouais, parce que je peux mettre des vidéos de je sais pas combien de temps, mais au bout d'un moment, ça lasse quand tu regardes une vidéo qui dure trop longtemps. Ça lasse, tout à fait d'accord. Ah oui, alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut, que je peux charger d'aller chercher du sable, s'il vous plaît? Salut. Non, sérieusement. Seriously. Sir Bruce Lee. Pas moi. Vous savez pas où je pourrais. Légalement. En rajoutant île devant. Si des gens bien intentionnés pouvaient aller me chercher du sable, ce serait fort fort juteux. Tu voudrais quoi? Quoi? Tu voudrais quoi, DL Minecraft? Ouais. Bah, tu tapes. Ah mais là arrête là, ils vont censurer sa vidéo là. Non, oui. Ouais. Alors le sable, attends, on va faire un coffre. On va le mettre dedans et je vais le faire cuire. Je suis déjà sur le coffre. Mais non, mais tu peux... oui, tu peux le DL. En faisant un 3, il y a quelqu'un qui peut t'offrir les coordonnées. Les coordonnées de quoi? Nous sommes... J'ai jamais dû su lire une coordonnée. On est à moins 230-80. Ok. Il me faut de la pierre, c'est ça. T'avais pas de la pierre? J'ai pris de la pierre normalement. Non, justement, là je vide mes poches et je vais aller. Tiens, si, ouais, il y a de la cobblestone là. C'est très bien. Je me vide les poches, sauf mes outils. J'ai largué du bois en masse, bah bravo. Ça je garde. Tiens, hop, deux haches. Oh cool! Ça est fort bon. Bon bah voilà, je vais pouvoir faire un petit peu plus beau. Tu peux te connecter avec ton compte Minecraft standard. Là pour l'instant le serveur, j'ai,
J'ai refait, Ah, Fro, il est plus là. Fro est parti de... Ouais, de rien, en fait. Je vais mettre sur un vrai Minecraft, parce que là, ouais, ça m'emmerde. Elle est où, la table? Dans ton cul. Il me faudrait des troncs de bois bruts, s'il vous plaît. Ouais, la table. Tu me mon sac. La table, elle est dans le coffre. Brûler dans le coffre. Quelle utilité, franchement. Elle arrive. Mais c'est qui creuse comme un fou? C'est Wartik? C'est moi. Je suis en train de faire un tombeau. Enfin, le tien. Le tombeau des Lucioles. C'est difficile. Ok. Regarde, là, on a un point 3. Bien en arrière. Putain, mais... Oula. Allez, putain. Eh, franchement, là, c'est les constructeurs de l'extrême, quoi. Ce qu'on fait, c'est juste magnifique. T'es juste très dégueu. Non, non, maintenant faut associer de la pierre avec du bois et puis ça va le faire. Vive dans un donjon. Vive dans un donjon. C'est difficile. Alors. La plus polie. Non, je ne veux pas faire de sauvegarde, merci. Allez, bonne journée, salut. Regarde, j'ai WarZ qui tourne en fond de tâche, c'est peut-être ça qui pompe un peu. Ouais, c'est pompé up. Pompé un petit peu. You got to pompé up. Alors si tu l'as de la cobble, je vais bien te l'as de la cobble, s'il te plaît. Ouais, bah je vais remettre de la terre alors pour faire office d'escalier et de bouche-trou, parce que je suis en train de récupérer du... Oh merde. Du charbon. Ah putain, j'ai pas de pioche. Oh boulet. Oh le boulet. Ah bah alors viens. Dans le genre se prendre des coups de pioche gratos. Non, ça va. Par contre, il faut que quelqu'un aille à la chasse là parce que ça devient un peu catastrophique. Bah il va falloir qu'on se protège correctement et pendant la nuit là, on va tuer des araignées, hein, quoi que ça. Pour la bouffe? Ouais, pour faire des fils. Pas pour la bouffe. Pour faire des fils et des cannes à pêche. C'est ça. Oh, tu fais ça bien. Eh ouais, je suis un pro. Tiens, tu veux du rock? Ouais. I wanna rock. Tiens, j'en ai remis dans le truc. Si tu peux m'apporter des outils en pierre, par contre. Ouais, je vais te faire ça. Il faut juste que je fasse l'entrée avant que les premiers zombies arrivent. Et puis, je vais faire une porte. Ouais, j'ai pas l'animation de... Le qui se casse. Oh, les mecs. Je viens de faire un truc, c'est de toute beauté. Hein. C'est de toute beauté. C'est quoi ce calme absolu là que j'entends pas? Déjà sans tox, il parle plus, c'est pas normal. Il est malade. C'est normal. Je suis en pleine concentration. C'est le stress. Ouais, mais c'est toi qui anime, c'est toi qui fais l'animation là. Genre c'est moi. Genre c'est toi. Non, c'est bien quand tu fais pas l'animation avec le... C'est moi. T'attrapes? Moi j'ai ma maison en bas, t'as vu? Où? En bas. Ah, le fou! Il se fait une maison en bas! Ouais, bah écoute, il se prend trois fois plus de monstres que nous, c'est pas grave, hein? T'as raison. Puis dès qu'on aura des arcs et des flèches, il va se prendre des volets de flèches en prime. Donc voilà, nous sommes en train de faire les premières fondations de la citadelle. La citadelle. Tu comptes faire une citadelle? Bah, je sais pas, il m'a dit qu'il y avait une citadelle dans son ancienne map, alors on va faire une citadelle. Hein. Faudrait que j'arrive vraiment à la récupérer cette map là, parce que je l'ai mise là. Bon, j'arrête le tournage de la vidéo ici, hein. Vous dites au revoir à tout le monde. Salut. Bisous. Au revoir tout le monde.